tous les gros blockbusters américains, Tintin et le secret de la licorne a le droit à son adaptation en jeu vidéo. Développé sous la houlette d'Ubisoft, le jeu suit donc fidèlement la trace du film et vous propose donc de tenter de percer le secret de la fameuse licorne. Pour cela, vous devrez passer par la Belgique, la France ou encore le Maroc. Une aventure à la réalisation assez convaincante qui respecte le style visuel du film avec une bande-son un peu jazzy bien sympathique. Afin d'essayer de ne pas rester une adaptation bête et méchante, Tintin et le secret de la licorne multiplient les phases de gameplay. Vous trouverez donc des passages de plateforme pure en vue 2D, que ce soit dans un bateau ou à Moulinsart, mais également quelques phases en 3D. Ces dernières peuvent prendre la forme d'une poursuite où vous devez éviter une voiture, ou encore d'une scène où il faut tirer des boulets de canon avec l'ancêtre du capitaine Haddock. Malheureusement, cette bonne volonté n'enlève pas un côté très répétitif. Chaque type de gameplay se contente de réutiliser les mêmes situations et les mêmes principes avec seulement des changements de décor. Surtout dans le cas des passages orientés plateforme, où il vous faudra régulièrement utiliser des objets similaires contre des personnages copiés-collés. Un manque de renouvellement qui amène un véritable ennui, d'autant que l'absence de challenge n'aide pas à diminuer ce problème. C'est bien simple, il est presque impossible de perdre. Et dans le pire des cas, les nombreux checkpoints ne vous remettront jamais loin de l'endroit de votre défaite. Pour sauver les meubles, le jeu intègre un mode spécial en coopération avec des niveaux dédiés, où l'on peut notamment contrôler d'autres personnages. Un plus sympathique qui permet d'entrer dans l'esprit haut en couleur du capitaine Haddock. Rapace, imposteur. Destiné donc en priorité aux jeunes joueurs, voire aux très jeunes, Tintin et le secret de la licorne aura beaucoup de mal à s'imposer auprès des plus vieux fans de Tintin. Il vaut mieux peut-être aller voir le film une deuxième fois. La note, jeu actu, 12/20.